Ensemble, épisode 9. J'aime le vin. J'aime les femmes. J'aime la musique. J'adore le vin. J'adore les femmes. J'adore la musique. Ah, je n'aime pas les femmes. Je n'aime pas la musique. Je n'aime pas le vin. Je déteste la musique. Je déteste le vin. Je déteste les femmes. J'aime, j'adore, je n'aime pas, je déteste. Qu'est-ce que vous prenez ? Un citron pressé. Et moi, une bière. Je n'aime pas la bière. Je déteste ça. Un citron pressé et une bière, s'il vous plaît. Un citron pressé et une bière, une. Il y a un bon film à la télé ce soir. Je n'aime pas la télévision. Je préfère le théâtre. Ah bon? Vous aimez. You like. Vous aimez. Do you like? Vous aimez la musique? Ah oui, j'adore la musique de jazz. Jazz? Je préfère la musique classique. Ah bon? Vous allez en vacances cet été? Are you going on holiday this summer? Vous allez en vacances cet été? Oui, dans les Pyrénées. La montagne. Je n'aime pas ça. C'est trop fatigant. Je préfère la mer, le soleil. Ah bon? L'humanité, demandez l'humanité. L'humanité, s'il vous plaît. Merci. Mais c'est un journal communiste. Quelle horreur! J'aime la bière, vous n'aimez pas la bière. J'aime la télé, vous n'aimez pas la télé. J'aime le jazz, vous n'aimez pas le jazz. J'aime la montagne, vous n'aimez pas la montagne. J'aime l'humanité, vous n'aimez pas l'humanité. Voulez-vous être ma femme ? Now it's your turn to say what you like using j'aime. J'aime la bière. J'aime le vin. J'aime la musique. Now show more enthusiasm. Use j'adore. J'adore le théâtre. J'adore la France. Je préfère. Et pour les vacances, je préfère la montagne. Moi, je préfère la campagne. Moi, je préfère la mer. Je préfère le soleil. Moi, je déteste la mer. Je déteste l'eau et la foule. Je déteste la montagne. Ensemble, épisode 10.
Est-ce qu'on peut? Est-ce qu'on peut? Can one? Est-ce qu'on peut pique-niquer ici? Oui, on peut pique-niquer ici. Bien sûr, on peut pique-niquer ici. Est-ce qu'on peut téléphoner ici? Oui, on peut téléphoner ici. Bien sûr, on peut téléphoner ici. Par ici, monsieur. Est-ce qu'on peut manger par ici? Bien sûr, on peut manger juste à côté. Bien sûr, on peut bien manger en face. Est-ce qu'on peut garer la voiture ici? Non, c'est interdit. Non, monsieur, il est interdit de garer la voiture ici. Est-ce qu'on peut fumer ici? Non, il est interdit de fumer ici. Il est interdit de. It's forbidden to. Belle journée pour une partie de pétanque. Papa, est-ce qu'on peut aller à la campagne? Qu'est-ce qu'il y a? Est-ce qu'on peut sortir? Oui, mais pas maintenant. Il fait beau. Est-ce qu'on peut pique-niquer? Non, non et non. Mais papa, j'aime tellement la campagne. Et ma partie de pétanque alors, hein? Oh papa, mon petit papa. Quand est-ce qu'on peut manger? Ici Radio France, il est 1h10. Quand est-ce qu'on peut manger? J'ai faim. Bientôt. Mais à quelle heure? Il est tard. Ici Radio France. Est-ce qu'on peut pique-niquer ici? Non, non, pas ici. C'est trop près de la route. Ici Radio France, il est 1h15. Est-ce qu'on peut manger dans le bois là-bas? Non, non. Trop d'ombre. Ici Radio France, il est 1h35. Et là, dans le champ, papa? Non. Trop de soleil. Ici Radio France, il est 2h35. Près du lac. Non, non, trop d'insectes. Ici Radio France, il est 3h. Ah, voilà l'endroit idéal. Oh. Trop près de la route. Trop près de la route. Too near the road. Trop d'ombre. Trop d'ombre. Too much shadow. Trop de soleil. Trop de soleil. Too much sunlight. Trop d'insectes. Trop d'insectes. Too many insects. Ah,
Qu'est-ce qu'on mange? Il y a du pâté de campagne, du saucisson, du fromage, des fruits, et pour toi, une bouteille de Beaujolais. Ah. Oh zut! Hein? Qu'est-ce qu'on mange? Qu'est-ce qu'on mange? On is used generally like the English one, but it is used much more often in French. Est-ce qu'on peut? Can one? Ensemble, épisode 11. J'ai besoin de... I need. Literally, I have need of. J'ai besoin de repos. I need rest. J'ai besoin d'aide. I need help. Je vais. I'm going to. Je vais. Je vais voir. I'm going to see. Oh, c'est terrible. J'ai besoin d'aide. Mon psychiatre. Je vais voir mon psychiatre. Allô? Allô? Oh. Allô? Allô, je voudrais parler au docteur Bloch. C'est urgent. Je voudrais un rendez-vous. Demain? Oh, bon. Allô, à quelle heure? 10 heures. D'accord. Oh. J'ai l'intention de... I intend to. Répétez. J'ai l'intention de... J'ai l'intention de partir. I intend to leave. J'ai l'intention d'aller à Paris. I intend to go to Paris. Je vais tout abandonner. I'm going to give it all up. Je vais tout quitter. I'm going to leave everything. Je vais vivre dans la nature. I'm going to live in nature. Vous allez dormir. Sleep. Vous allez oublier vos problèmes. Forget your problems. Vous allez aimer. Love. Par ici. Relaxez-vous. Parfait. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Eh bien, voilà, docteur. Je déteste ma femme. Je déteste mes amis. Je déteste mes enfants. Je déteste tout le monde. Oh, c'est abominable. J'ai l'intention de partir. Je vais tout abandonner. Je vais tout quitter. C'est décidé. Je vais partir. Je vais quitter la civilisation. Je vais vivre dans la nature. J'ai besoin de calme. J'ai besoin de repos. La nature. Vous êtes fatigué. C'est tout. Vous allez dormir. 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 Vous allez oublier vos problèmes. Vous allez aimer votre femme. Aimer vos amis. Aimer vos enfants. Allô? Qu'est-ce qu'il y a? J'ai besoin d'amour. Oui, je sais. Vous détestez toujours... Oh, non, ce n'est pas ça. Maintenant, moi,
J'aime tout le monde, mais personne ne m'aime. Et maintenant, vous avez des problèmes. Vous avez besoin de beaucoup de choses. Utilisez « j'ai besoin de repos ». J'ai besoin de repos. Aide. J'ai besoin d'aide. Calme. J'ai besoin de calme. Amour. J'ai besoin d'amour. Exercice. J'ai besoin d'exercice. Je vais vivre dans la nature. Je vais prendre un bain. Je vais dormir. Je vais faire la vaisselle. Ensemble, épisode 12. Moteur, reportage spécial, les sportifs. Action! Chers téléspectateurs, voilà un reportage spécial. Où êtes-vous à 6 heures du matin? Au lit, bien sûr. Mais tous les jours, ici, au Bois de Boulogne, il y a des dizaines de sportifs à l'entraînement. Pourquoi? Et maintenant, la réponse de ces athlètes. Télévision française. Voulez-vous répondre à quelques questions? Certainement, mais je continue mes exercices. Mais je vous en prie. Quel âge avez-vous? J'ai 30 ans. Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Je suis professeur d'anatomie. Vous venez ici tous les jours? Oui, tous les matins. À quelle heure? Oh, à 6h30. Vous avez du courage. Oui. Je fais un petit sprint dans les bois, je prends ma douche, mon petit déjeuner et je vais au travail. Hop! Comment? Eh ben, à pied, bien sûr. Ah, quel courage. Et qu'est-ce que vous mangez, normalement? Oh, je mange beaucoup de fruits, beaucoup de beefsteak et beaucoup de salades. Est-ce que vous fumez? Ah non, je ne fume pas. Et l'alcool? Mais je ne bois pas d'alcool. À quelle heure allez-vous au lit? À 10 heures juste. J'ai besoin de beaucoup de sommeil. Allez, yata! Pas de cigarette, pas d'alcool, beaucoup de sommeil. Formidable. Et tout ça pour le sport. Mais non, c'est pour les femmes.